بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكنا عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناتكم الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à téléphone de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très 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 bien. Ma présence aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Conjugaison 6e année enseignement primaire, leçon le présent de l'indicatif des verbes. Usuel, ça c'est le titre de la leçon. L'unité didactique 1, la semaine 1, la page 20. La page 20. Exercice d'application. Alors la leçon d'aujourd'hui, elle est réservée à vous présenter des exercices d'application pour consolider l'acquis de la leçon, le présent de l'indicatif du verbe usuel. Grand 1, je m'entraîne, etc. J'entoure, hein, j'entoure le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif dans chacune des phrases suivantes. Il raconte, il racontait. Alors oui, le verbe ici au présent, c'est raconte. Voilà le présent. Il raconte son voyage à ses camarades. B, tu te promèneras, tu te promènes. Alors le présent, tu te promènes avec tes camarades. C, nous, le verbe nous pouvons, nous pourrions. Alors le verbe au présent, c'est le verbe pouvoir. Au présent, nous pouvons. Nous pouvons trouver des livres portant sur la civilisation arabe. Ou bien la civilisation chinoise. D, vous, vous applaudirez ou bien vous applaudissez. Alors le verbe du deuxième groupe, voilà. La deuxième personne du pluriel, vous applaudissez les artistes marocains. E, il allait à l'imparfait, ils vont. Voilà le verbe aller au présent au théâtre ce soir. Voilà la première question. Deuxièmement, je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je conjugue. Alors, elle, le verbe organiser, organise. Au pluriel. Vous, le verbe choisir, choisissez. Deuxième groupe. Nous, le verbe faire, le faisons. Vous, le verbe lire, vous lisez. Hein? Vous lisez des récitations sur la civilisation moderne. Nous faisons une randonnée sur la rive du Nil. Alors, vous choisissez des livres intéressants. Il organise une visite à l'Institut du monde arabe. À l'Institut du monde arabe. Alors, E, tu le verbe écrire. Alors, tu écris. C'est un verbe de troisième groupe. Tu écris un texte sur la civilisation arabe. Grand 2, je m'évalue. Hein? C'est l'évaluation. Je complète chacune des phrases suivantes avec le pronom personnel qui convient. Alors, tu, nous avons te. Alors, puisqu'il y a te, c'est la deuxième personne du singulier. Donc, on écrit tu te dépêches pour arriver à l'heure. Nous avons B, hein, finissez. Alors, puisqu'on a ici, c'est la deuxième personne du pluriel, on va écrire vous. Voilà. Alors, pouvons visiter ce lieu. Alors, nous pouvons, donc on va mettre, nous pouvons visiter ce lieu historique. Prenez, la deuxième personne du pluriel, vous. Voilà, les pronoms personnels. Deuxièmement, je conjugue au présent de l'indicatif les verbes ranger, réussir, voir. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Alors, je range, tu ranges, terminaisons E, ES. Il range E, nous rangeons avec E pour prononcer G, vous rangez, il range. Voilà. Le verbe réussir, je réussis, IS. Tu réussis, IS, il réussit, ET, nous réussissons.
Vous réussissez, ils réussissent. Nous avons le verbe voir, je vois. Troisième groupe, c'est un verbe irrégulier. Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, elle voit. Alors, regardez ici, nous voyons, vous voyez. Ici, alors, puisqu'il y a E, on a remplacé Y par I. Devant E, je remplace Y par I. Il voit, il voit.